It's time to reveal who will succeed Gabi. Maintenant, c'est le moment de dire et de dévoiler qui va succéder Gabi. Il est parmi ses 5 finalistes. Hugh Bellingham, England. Eduardo Camavinga, France. Gavi, Spain. Jamal Musiala, Germany. Pedri, Spain. Pour rappel, le gagnant du trophée Copa est élu par des anciens lauréats du Ballon d'Or, Eden. Ouverture d'enveloppe. Alors, le trophée Copa est remis à Jude Bellingham. Bonsoir à toutes et à tous. Je souhaite remercier toutes les personnes qui m'ont permis d'être ici depuis Birmingham et tous les clubs. Je veux également remercier mon frère, mes parents qui sont à la maison. Merci pour votre soutien. Jude, des images de vous avec le maillot de Dortmund, car vous avez remporté ce trophée en portant ce maillot. Vous avez eu une saison absolument exceptionnelle, 13 buts en 13 jeux, en 13 matchs. Le dernier, 2 buts, un très beau départ. Oui, très bon départ. Et je remercie mes coéquipiers, le coach, qui m'ont très très bien accueilli. Ils ont cru en moi, ils m'ont permis de m'exprimer. Et tu as choisi le maillot numéro 5 à cause de Zinedine Zidane, non? Oui, mais pour être honnête, il n'en restait plus beaucoup à choisir quand je suis arrivé. Le numéro 5, c'est une énorme pression, mais cela me permet de rendre hommage à l'une de mes idoles du football. Et qu'est-ce que ça fait de remporter ce trophée Copa face à deux légendes, David Beckham, et de suivre dans les traces de tant de champions que vous admirez qui sont ici ce soir? Là, oui, je suis impressionné d'être là devant des joueurs d'un talent incroyable et leur présence est très importante pour moi. Et pour moi, maintenant, j'ai un trophée et je vais continuer à jouer pour remporter d'autres trophées au fur et à mesure des années. Vous avez dit que Jamal Musiala a terminé deuxième et vous êtes très proches tous les deux sur ce podium. Oui. On a même cohabité il y a quelques années en Angleterre et c'est un de mes meilleurs copains dans le football. Donc, on reste en contact et j'essaye toujours de prendre de ses nouvelles et de savoir ce qu'il devient. Eh bien, il a un message pour vous. Salut Jude. À cause du match qui va se tenir très bientôt, je ne pouvais pas être à Paris, mais je voulais te féliciter. Un prix tout à fait mérité. Tu te souviens, on a partagé un appartement ensemble. Et j'espère te revoir très bientôt. Je pense que tu vas avoir une super soirée. Et je t'embrasse depuis Munich. Beaucoup d'émotion à voir cette photo, non? Ouais, ce qui m'inquiète, c'est ma coupe de cheveux, pour être honnête. Mais oui, c'est un joueur de grand talent et très élégant de m'envoyer ce petit message. Et je veux simplement lui dire combien je l'aime et combien je le respecte. Eh bien, on lui envoie un salut de ta part. Des applaudissements pour Jude Bellingham, lauréat du trophée Copa ce soir.